t'arrêtes pas, Jab. Je t'en supplie, t'arrêtes pas. È appena finita la conferenza stampa di Jean-Luc, la stoffa di un campione, firmato da Christian Dugui, che è un regista chouchou della nostra televisione italiana. Ha fatto 6 lavori, tra cui Pio XII, Coco Chanel, insomma, ha fatto tanti bei lavori. Questo film è spettacolare. E se vuoi parlare italiano, allora... Sì, io comprendo l'italiano, ma sì. Non parla E allora, bene. In due parole, che cos'è questo film che noi abbiamo molto amato? Excusez. In due en deux mots, oui. Ce film que on a très aimé et oui. Qui est en compétition mondiale. Oui. Ben moi je suis ravi de venir présenter mon film ici à Montréal qui est en compétition. C'est mon premier film en langue française et d'être ici en compétition dans ma ville natale, dans ma langue natale, pour moi c'est exceptionnel. Et vous habitez Montréal, hein? J'habite Montréal et Prague, mais très souvent à Rome. À Rome. Hein, parce que là, ça fait plusieurs films que je fais à Rome. C'est pour ça que io comprendo l'italiano, on en parle. Le piace lavorare in Italia? Scusi? Est-ce que vous aimez travailler en Italie? Si, 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 si. Io ho una famiglia a Roma, per la produzione della Lux Vide. Come no. Luca Bernabei, la sorella Matilde, il direttore della fotografia, tutta la famiglia. Certo. En deux mots, le film pour nos viewers. C'est la rencontre d'un cheval exceptionnel qui n'avait aucun atout qui se présentait pour qu'il soit un champion petit. Décousu, mais qui avait toutes les habiletés pour devenir un grand sauteur, et son cavalier qui avait lâché la compétition et qui fait un grand retour parce qu'il rencontre ce cheval, et tous les deux vont se rendre au Zénith. Merci bien, et on se verra à Rome. Oui, j'ai un très beau film qui va sortir à l'automne. Oui. La Proxima. Il film con la Lux Vide alla RAI e con Vittoria Puccini, Anna Karenina. E per me il film è il meglio che j'ai fatto. Ok, grazie. Grazie.